Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, bon, à part qu'il fait froid. Je vais vous présenter aujourd'hui une création pour un défi tag et puis un haul action. Ça revient tout doucement. Alors, on va commencer par les petites créations. Je vais vous présenter avec comment j'ai fait ça. Voilà. Là, c'est un petit embellissement libellule en métal de chez notre ami. Là, c'est un tampon fait de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Là, c'est des découpes avec la bead shop en feutrine. Hop là. Là aussi. Et là, j'ai mis deux petites demi-perles. Voilà. Et là, j'ai mis un œillet et puis un petit ruban. Du coup, voilà, je vous présente voilà, ma boîte d'œillets avec différentes couleurs. Et puis, bah, bien sûr, vous la connaissez tous, hein, j'ai utilisé la boîte, la machine, hein, la planche de découpe. Ainsi. J'ai utilisé la croque d'ice. J'ai pris ces petits rubans, mais je pense que c'est pas de chez eux. Je ne sais plus si c'est de Lidl ou de chez Aldi. Non, peut-être de chez eux. Au moment des cadeaux. Ouais, dans le rayon cadeau. Oui. Voilà. Mes petites demi-perles aussi de notre ami. Voilà, ils en ont fait toutes les couleurs. Du coup, je passe à la deuxième, au deuxième tag, très spécial. Voilà, c'est une image que j'ai colorisée au crayon de couleur. Du coup, ben, je l'ai présenté, c'était un lion. Du coup, j'ai mis un masque ben, parce que pendant... Je suis encore dessus depuis, ben, j'en ai encore une centaine à faire. Ben voilà, deux masques. Alors du coup, j'ai présenté le lion avec un masque que j'ai plié en papier. Là, j'ai mis des élastiques. Là, c'est pareil, j'ai mis deux demi-perles. Et puis là, un petit nœud et un œillet aussi. Voilà. Alors, j'espère que ça plaira à la personne à qui je vais lui envoyer. Et du coup, je vais vous présenter ce que j'ai utilisé aussi. J'ai utilisé ce papier cardstock en marron, irisé, non métallique, pardon, métallique. Derrière, j'ai mis voilà, le cardstock jaune. J'ai utilisé la, je sais pas si c'est nouveau, mais ce bloc, cet ensemble de coloris, hein, coloriage. Voilà, il y a plusieurs motifs. C'est la dernière, c'est ce que j'ai acheté hier en fait. Du coup, bah, j'étais inspirée. Voilà. J'ai utilisé ces. Ces crayons de couleur qui sont très bien d'ailleurs au passage. Bah, les demi-perles c'est bah, c'est comme tout à l'heure. Le ruban aussi. L'élastique j'ai pris celui-ci bah, de chez Marin. J'ai aussi utilisé le pistolet à colle avec bien sûr les bâtons de colle qui venait de chez Artegno de chez Truffaut parce que c'est très dur d'avoir du matériel en ce moment. Et puis j'ai utilisé cette colle comme j'ai entendu hier sur une vidéo. C'est vrai, je confirme, elles sont pas très bonnes, mais elle est efficace. Voilà. Alors du coup, on va passer aux achats.
Voilà, j'ai acheté aussi ce bloc-là que Amandine a récupéré. Elle a commencé à coloriser une petite bonne femme. Au départ, on voulait la prendre et lui mettre un petit masque. Après, j'ai trouvé sympa le lion. Voilà. Bon, je trouve que les crayons à l'intérieur sont pas géniaux. Mais bon. Ouais, pour emmener, hein. Alors voilà, il ferme avec un petit élastique au milieu. Alors passons aux achats. Il y a des trucs que c'est des nouveautés et d'autres pas du tout. J'ai retrouvé ces petits kits de décoration là, c'est plein de petites plumettes. Elles sont plus petites que les autres. Avant, on avait les énormes plumes. Là, elles sont petites. J'en ai pris deux. Alors, et puis là, c'est sur le thème automne, la période Halloween. Pardon, une petite citrouille. Je sais pas si on voit très bien, mais. Voilà. J'en ai pris également deux. Et là, bah, c'est des petits ensembles de plantes cactus. Hop. Voilà. Pareil, deux. J'ai trouvé ces glitter marquet. Il y a plusieurs couleurs, il y en a six. Amandine, elle a voulu commencer son coloriage avec, mais bon, après, ben, c'est pas assez fin pour le faire. Et il y a la petite explication aussi pour le faire marcher, mais ils sont très bien. C'est pour porcelaine, glisse, textile, etc. Ça va sur plusieurs. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plus de voix. Ah voilà. Convient à toute surface. Le verre, porcelaine, le métal, bois, textile, etc. Voilà. Alors là, il y a du violet, vert. Amandine, elle a testé rose. Voilà. Ça, c'est noir et gris. Oui, effectivement, il y a pas mal de couleurs. Alors, je vous en ai montré 1, 2, 3, 4. Il y a, là, on dirait or, argent et. Voilà. Et le bleu. Alors, on va compter. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Il y a une série de 6. Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris ce bloc-là que j'avais déjà testé. Là aussi, il y a des très belles images. Oh, d'ailleurs, je pourrais utiliser s'il y a une image qui me plaît. Regardez-le, celui-là, il est pas. Ouais. J'ai pas pensé à prendre. Non. Voilà, petit bloc. Bon, bah, vous connaissez à peu près les prix. Ça reste toujours des petits. Hein. Sinon, je peux vous dire un petit peu. Alors, les crayons avec le set de voyage album à colorier, c'est 1,50 €. Le bloc. Alors, les feutres marqueurs, c'est 1,64 €. Et. Les
les petites pochettes là que je vous ai montrées. Celle-ci, c'est 49 centimes. Et puis voilà. On entend Tony qui dit j'ai soif. Il peut servir tout seul. Et j'ai celui-ci aussi, je ne vous ai pas montré. Et avec un petit hérisson. Et j'ai pris 3 blocs de papier. Mais c'est pas les nouveaux, ils sont pas encore de sortie chez nous. Là, vous les avez déjà vus. Et ça, c'est le même. J'en ai pris 2 de celui-ci. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, pardon. Et faites plein de créations. Bisous, bisous.